Maman, je pourrais pas avoir un Lego, s'il te plaît. Oh! Bonjour à tous, c'est Mini Raptor S33 et aujourd'hui mon surtout pour une nouvelle vidéo sur un Lego, les amis, que je voulais vous présenter, qui est un Lego architecture. Il est drôlement magnifique, donc vous avez pu le constater que c'est l'Empire State Building. Hein. Donc un Lego, voilà, qu'on m'a offert à Noël. Voilà, donc un Lego que j'ai déjà fini de monter. Hein. Donc voilà ce que c'est censé représenter. C'est censé représenter l'Empire State Building. Il est vraiment magnifique ce Lego. Perso, je l'adore. Alors, si vous le voulez, c'est un Lego 16 ans et plus. C'est le 21046. Alors, vous le trouverez généralement dans les Leclerc Culture. Alors vraiment un Lego totalement hors du commun. Alors il fait 20,5 cm de longueur et de hauteur. Du coup il fait 55 cm. Il est totalement énorme. Donc je vais tout de suite vous le montrer une fois monté. Alors voilà, une fois monté, il est totalement énorme et il est drôlement réaliste. Il y a même marqué Empire State. Bon, là j'avoue, c'est des petites voitures. Hein. Alors, vous voyez en fait des petites pièces comme ça. Attendez, j'en chipais une. Là. Des petites pièces comme ça. En fait, c'est ce qu'il y a le plus dans le Lego. Il est constitué de 686 petites pièces comme ça. Et en tout, c'est un Lego de 1924 pièces. Donc il est totalement énorme. Attendez, je vais vous montrer le haut. Voilà, donc la petite partie du haut. Voilà. Donc il est super super ce Lego. En plus, il est drôlement réaliste, hein. Ici, on peut observer une entrée. Alors je vous dis, dedans c'est le bazar, il y a des pièces rouges, noires et tout, des pièces vertes et tout. L'intérieur il est drôlement moche, enfin on l'imagine pas comme ça, mais l'extérieur il est drôlement beau. Alors ici en fait c'est plein de petites pièces qu'il faut assembler, enfin en gros c'est plein de petites pièces que vous montez hors de la construction, c'est totalement super. Alors, je vais vous montrer la notice juste là. Alors, attendez, on va revenir sur ça. Donc, une notice de totalement. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, à l'intérieur, c'est le vrai bordel. Ensuite, voilà ce que c'est censé représenter un petit peu. Et en gros, vous voyez, c'est plein de petites pièces à part que vous montez comme ça. Que vous placez, bien évidemment, ensuite. Donc une notice de exactement 130 pages, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Aussi, voilà, ici nous avons toutes les pièces. Attendez, ici c'est bien. Non, 684 pièces comme ça, voilà. Donc c'est vraiment un Lego super super. Alors moi je vous conseille pour votre anniversaire, si vous voulez faire plaisir à votre enfant, je vous conseille fortement de l'acheter. Bon, par contre, peut-être que vous devrez l'aider quelque part. Je sais pas trop où. Moi, j'ai dû être aidée une fois parce qu'il y avait un truc, en gros. En gros, il y avait ces pièces-là, j'arrivais pas à les fixer. Il y avait un moment, c'était la galère, mais sinon, le reste, c'était super. Bon, donc, tes amis, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc, dans la prochaine vidéo, what? Ce qu'on fera, je sais pas. Ciao tout le monde!